Bah, comme on a un peu fauté la semaine dernière, on devait se rattraper un peu aujourd'hui et rester concentré dans la course. Parce que maintenant, c'est chaque match qui va être important et il faut les gagner. Et c'est comme ça pour essayer de monter en division 1. Ik denk eigenlijk dat we als ploeg iedere week beter en beter spelen. Dus ja, we mogen allemaal heel tevreden zijn van deze prestatie. Bah, on n'a pas réussi, mais en rentrant du vestiaire, on s'est dit qu'aujourd'hui on pouvait faire quelque chose parce que Berscott, ils n'ont pas proposé grand chose, ils ne nous ont pas mis réellement en difficulté. Donc on savait qu'il fallait rester un peu concentré et que ça allait venir parce que les occasions, on les avait. Nee, ik denk dat ook wel zou dat er in de ploeg een bepaalde sfeer heerste van we zijn beter vandaag, we gaan hier tot een goed einde brengen. En het is leuk dat we kort in de tweede helft goed kunnen maken, dat heeft ons wel bevrijd. En ja, het is leuk om hier gewoon vol huis, uit of bijna vol huis, zo'n leuke match te spelen op het niveau, iedereen op het niveau. Ja, dat was echt plezant. Paris tegen Constantopoulos, mooie beweging van Paris, moet hem afleggen voor Mbokani. Mbokani binnen! 1-0 Beveren. Geweldig uitgevoerd door de topschutter Thierno Barry en Mbokani die er binnen ligt met zijn 11e van het seizoen. C'est pas le plus important pour moi. Pour moi, c'est marquer des buts parce que je suis un attaquant. Mais on va dire qu'on m'a un peu chambré la semaine dernière parce que j'ai pas fait beaucoup de passes. Donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais me rattraper pour essayer de faire une passe décisive. Et je pense que j'ai fait une très belle passe. Schot de voorzet van de Char weggekopt door Van den Berg. Filipovic meteen en Mbokani. Mbokani Barry en binnen! Is het Mbokani die hem rechtstreeks binnenkrult of raakt hier Nobari hem nog? In ieder geval, het is 2 tegen 0. Oui, je l'ai touché le ballon. Je l'ai touché légèrement, maar je l'ai touché. Donc ça fait 18 voor moi. Ja, inderdaad. Allez, kwalitatief gezien ook. Van voor ziet je dat ze hebben soms maar een halve kans nodig en we staan er. Goed gespeeld van Ogas. Ismail is los op de rechterkant. Die bal komt tot bij Mbokani. En jawel, 3-0. Net als ze gaan staan als je van Beveren bent inzitten in het stadion. Bah, je pense qu'on on a été le duo le plus décisif de cette Challenger Pro League. Donc bah ouais, on fait comme ça et on aime bien. Bah, comme je l'ai dit la semaine dernière, on n'a pas pu prendre notre destin en main avec le match nul. Donc les deux derniers matchs qui restent, il faut les gagner et attendre le faux pas de Molenbeek. Et c'est comme ça que ça va être jusqu'à la fin de la saison. We kunnen er op dit moment niks meer aan doen. We kunnen alleen met ons eigen bezig zijn. We gaan gewoon voor de 9-9. Vandaag zijn we goed begonnen met de eerste 3 punten. En we gaan gewoon alle punten pakken en dan gaan we op het einde wel zien hoe ver we raken. Maar we kunnen niet meer doen dan dat.